Welcome to S7 Backyard Garden. Et moi, je dis à nouveau ton vidéo pour vous. Je te promets tout ça. Côté nous pour le préparer chicken and dressing. Nous avons un tété poule là. Nous allons mettre dans le dressing. Là. Nous avons trois différentes qualités. Cornbread mix. Ou ka use ça. Zero win. Ou ka use ça qui dit simply homemade bacon mix. On ka use jifia tout. Si vous même pas quoi côté nous te faire cornbread avec jifia, nous encourageons à le garder, nous préparer avec calo green. Et kounya ça nous pral faire, nous pral just use une nan sa yo. N'a just use ça. Nous pral préparer l'on faire dressing nan sa pou faire, toujours faire cornbread là avant. Parce que là prend 30 minutes pour bekli. C'est fini fol fret avant qu'on y a pour faire process là. Il est toujours bon préparer ça, on va le mettre là bas froid. Après ça on va le préparer pour là. Mais on va pas montrer le côté moi préparer chicken tété pour là non, parce que grand pile vidéo côté me préparer pour déjà. Non seul bagage là préparer viande non, bah tu pas mettre pile tout cela dedans. Parce que là mélanger, on pas pour gagner trop sel. Qu'on y a on va le mettre les sous boîte là d'où ça oui, half cup. Toujours li instruction yo. Li man li do half cup milk. Le fini tout o kason zenit la dan. N'oubliye pou ton bagay, nou kon yon bagay pou met sa, n'oubliye sa. Le fini tout wap mette be. Parce que ma avec nous fait mes mesures là donc si pour qu'on nous fasse le même mes mesures et on y en a brassé là le film est qu'on y a nous elle qu'on y a nous va le mettre dans ça pour nous décrire nous déjà lavé peine nous et toujours bon on devait se rabaisser la pousse poêle c'est pas ça la coller dans ça. Il y a différentes qualités bon nous ka acheter parce que ça m'amuse. On va le mettre on va le bécler et on get un start oven là mettre le prix hit sur 375. Et fini pour me dire tout ça on mettre là, il pas en boîte non, on te mettre en boîte devant nous pour nous te ka ouais qui va les qui mesure les nous besoin avec beurre. Mais moi te ajouter on l'autre demi sachet encore là-dedans. Parce que mon là quand il me remet dressing. On boit là-bas là-bas, c'est me fait on boit et demi. Quand on va le mettre en bas froid là. L'est bon, nous va quitter le fret après pour nous faire process là pendant ça cuite là, nous va le nettoyer pour nous va le cuire, nous va le préparer pour là. N'a pas retourner ensemble. Là nous gain cornbread là là en bas froid, nous gain viande nous qui gain dans épices. Quand il y a nous gain ça y nous allons mettre rosemary, nous mettons un petit rosemary là-dedans, mais nous gain rosemary fresh ça, nous sommes prendre des nous allons mettre nous allons mettre moi mais en pile là, nous mettons 5 dans l'ail là-dedans avec un persil, avec oignon, céleri, nous allons racher et on va retourner. On est encore avec vous. Mais nous avons un bread là, qui est bon là déjà. Nous avons bon. Nous ne pouvons pas retirer dans ça, nous disons pas garder. Mais nous avons un chou fret. Qui n'a pas de problème si vous mettez tout gratté. Hein? Même le web petit gratté ça, mais au contraire, il montre toujours la balle. Bon, la balle, bon petit flavor, bon petit goût. Ouais. Mais chou met en clean, oui. Va juste prendre un au fil passer le nain on va te le manger alors mec chou mais clean elle nous get en fini avec cornbread là pour qui là mais nous venons montrer poule là nous saute bouillir ouais poule là nous fin bouillir les nous abrache les nous bouillir avant nous les nous nettoyer nous découper au petit les fin cuite nous juste prendre ça nous bagaille li pour nous ca déchiffrer ouais ça aide au déchiffrer mais nous gain poule là. Ça c'est de l'eau
qui te bouilli pour là. Au besoin, il est important. Ou ka mettre ça tout, moi viens avec pour ka use li. Si vous même vous avez utilisé ça, ka utilisé li rele chicken broth. Ça sont on sauce pour li. Li gen goût la dan. Soit mettez ça fait fort, faites attention qui va aller puis sou maintenant ça. Mais on mettez bon tie puis ça ici oui. Mais l'on prépare pour là tout pas mettre zon rien la dan. Ou juste bouilli mettez pour là. Bouilli parce qu'on connaît ça yo pour préparer après. Kounya ça nous gen là la nous saute pile. Nous gen céleri à nous racher là, nous gen persil. Et nous t'oublier du tout et ça va nous quitter ça nous mettons un bon un petit morceau piment douce nous connaissons pas oublier piment douce piment douce ça c'est rosemary nous te montrer nous t'aller à deux à côté de Kelly ça c'est oignon nous gagne là et nous va l'use beurre et nous mettons un petit pour persil nous mettons un petit pour oregano quand mettons oregano fraîche là oui souviens dans moment ça pas vraiment gagne oregano fraîche là nous mettons un petit pour nous t'oublier acheter le tout dans market. Rosemary a tout nous gagne le fresh là n'a mettre un petit poudre là tout. Kounya nous pral préparer ça pour nous ka faire corn bread là. Mettez ben mettez les oignons. Mettez piment douce. Mettez céleri. Mettez persil. Chaque fois mettez, on mélange la veille, on met tout le monde, mélange à l'autre. Mettez rosemary, mes amis. On a mettez un petit peu d'oregano. Nous, on a mettez oregano fraîche là, sous bien fraîche là. Dans le moment, ça m'a fraîche là, je vais mettre pour le sac sèche là. On va mettre un petit peu de persil. Ça va tomber fort, ça va mettre un peu. On va mettre un petit rosemary sèche là tout. Mais ça m'a mis, parce que ça c'est bon. Rosemary à la sortie, prends la net. Je pense pas préparer ou mettre rosemary là dedans c'est ça net. Vous voulez vous en on va besoin son on cri là dedans ça y est cri là dedans on va besoin trois coups parce que songez nous va le mettre là bas pour le finir. On besoin pour yo coup l'entrée dans dressing là. On mettez là bas froid pour laguer colnet. Mais kounya nous va fin préparer le dressing là pour. Mais garlic, mais là il a monté blier mettez pendant d'a fricasser zonyon yo même pral mettre le kounya. Mes chicken là mes amis. On vide le dans on bouge là. Mes vegetables yo sont préparés ya. C'est toujours bon, on va mettre bagage chaud sous quand on est à plat, on va mettre bagage en bas. On ne peut pas péter. On va le vider de l'eau. Ça, c'est de l'eau pour là. On va mettre là. Parce qu'on ne va pas mettre le trop mou. On va mettre trop de l'eau vient dans la donne. Pour le trop mou, on va mettre le trop dry tout. On va mettre comment se sentir. Kounya, m'a ajouté ça, chicken broth là. Ou brassel avant, ou pas vide un paquet en sel kounou. Ou deve ça, ou a préparé tout toujours bon pour gagner moins. Après,
qu'on y a qu'à ajouter, que vous mettez trop, qu'on y a pour le déranger. Nous commençons à sentir la gamme de petit bail de jus tout petit. Et ça fait toujours bon, l'eau fait non seulement prendre l'eau chicken, l'eau pour la bouillie ou usli, il est toujours bon tout ajouter ça tout. Ça va venir deux ou plus. Le fini ou même si tu as fait aucun problème de tension, tension toujours. Ouais, ça a gagné une laden qui marque qui n'a pas de sel. Pour qu'il y ait ça qui n'a pas de sel là. Et ça fait li important en pile, l'on prépare bien nous, pas mettre en pile sel en pile la gagne la donne. Parce que l'on mélange, l'on va d'abri pour li. Il y a trop de sel. Ouais, là, li pa di, li pa mou, mais nous, il y a un côté là, toujours besoin de l'eau. Et ça fait temps en temps, on mette en bagaille. Senti bon non? Si vous aimez rien, non, ça a senti bon. Vous avez pas fait du si nous sommes pas mis ton petit rosemary. On a le bon sens. Mais nous gardons encore, ouais. Nous avons un petit bail. Je vais mettre là, je vais dernier. Ça nous va mettre encore. Et ça, c'est supposé bon. De temps en temps, on va boire, on va mettre. C'est le bon là. Nous avons besoin de trop sec, ni pour trop mou. Oui, comme si on t'a pas mis un marinade fruit. Oui, les voiles comme ça, j'avais dit bon. Il n'est pas trop mou, il n'est pas du tout. Quand on a déjà un plateau, nous nettoyer, préparer. Quand on a. C'est juste pour un don, parce qu'on va aller pour dresser la colle dans ça. Mes amis, nous avons un plateau, ça m'a fait là une boîte et demi. Si vous avez besoin qu'on équivalent pour faire, une boîte et demi. Parfois, on fait deux boîtes tout. Et Dieu signe, j'aurais un jour, je vais préparer avec pour là. Moi, j'ai besoin de manger, mais j'aime faire, du coup, je prépare là, nous allons manger, je vais manger maïs bouilli avec un poitain. Nous allons mettre le bas froid pour 20-30 minutes, nous allons juste checker. Nous mettons là pour 15 minutes, nous allons faire un check. Nous allons tourner un résultat pour mes amis, je vais signer prêt, mais je vais signer nous, nous allons servir là avec maïs bouilli. Et nous avons green beans, nous avons poitons là. Mes amis, nous allons retirer là devant. Dressing là. Nous mettons là. Nous avons pris un maïs. La fin, nous avons pris un petit poiton. Si vous voulez sauce poiton, vous pouvez mettre un petit bol. Mais si vous voulez pas sauce, ok, juste mettre là comme ça. Mes amis, mes résultats. Chicken and dressing, nous servons la maïs bouillie avec poitain. Et dressing dans le manger, je toujours manger avec cranberry sauce. Mais cranberry, il y a différentes boîtes. Nous mettons un petit cranberry sous côté. Avant nous même goûter pour vous, nous voulons dire un autre bagage encore. Ou alors on fait dressing là parce que l'eau cuite pour là va le prendre l'eau fait dressing mais ça dépend va l'eau faire tant que nous trois timos tété pour moi utiliser ça veut dire trois timos tété pour là on pas avec ton paquet de l'eau là non paquet de bagarre parce que pas gain goût c'est ça qui fait toujours bon m'encourage ou use ça tout parce que l'air ou préparer pour là ou pas assez en sauce là dedans ça lui même il vient ajouter sauce reste sauce que tu as mettre là. Mes amis, mes dressing, c'est parti belle.
oh, qu'après ça, c'est céleri à la donne. Donc, on c'est céleri bagay qui gagne bon sens. Même nous, on fait sous le jour, ou pas mettre céleri à la donne, on va manquer un bagay. Nous, on a rosemary, rosemary, tout, on a bon sens, tout. C'est parti, bon, non? Ou alors, quand on fait sauter dans le four, la touche. Si vous m'avez besoin de faire dressing, suivez recette ça. Ou bien joli. Moi, je dis tout le temps, parfois, le bon pour faire différentes qualités manger. Ou pas de manger, manger, seulement les qualités manger tout le temps, ou bien rébiter. Parfois, pas une grande envie manger, même nier. L'autre manger, on suppose enjoy manger. Mais l'autre manger différentes qualités manger tout le temps, c'est bon. Nous mettons un petit cranberry là-dedans. Un bouton de green beans. Et parti bon. Nous garantissons dans 2020, décision, nous allons préparer green beans. Avant, nous allons nous bouillir maïs ensemble avant. Li bon, moi je vais faire manger différentes nations. Li bon, chaque lot font différentes cartes de manger. Et même dans tout la cas, nous parfois, nous allons venir nous fatiguer. Ou tous font des choses qui sont faciles. Et parfois, tout, li bon, ou prend famille ou à manger dehors. Gen lò si pose al manje madame a mari seulement. Gen lè madame mari timoun yo nan manje. Sa y de fami an grandi, sa y de fami an rete connecté. Li bon pou fè manje, mais parfois fòmè di cuisine nan jodi a ou pa pwèm. Al pa son tan de yo, al manje, al enjoy la vie parce que la vie a li kout an pil. Tout tout nou ka enjoy li, enjoy li. Mais attention, jò ap enjoy li, bat lò ap enjoy li a pour li fè bon je plaisir. Et bien, nous disons merci à vous-même qui était avec nous pendant que vous avez fait vidéo ça. Et que bon Dieu bénisse, qu'il garde, qu'il protège. Et nous apprécions, nous aimons. Pas oublier d'abonner si vous faire ça. Et partager avec vos familles et vos amis. Chaque fois, nous avons une vidéo qui upload pour que vous une notification. Et nous disons merci avec tous les subscribers parce que nous essayons de monter, chanel la monter. Vous faites un bon job. Si vous ne pouvez pas partager, si vous ne pouvez pas envoyer le bon monde, côté nous arriver là, nous ne pouvons pas arriver. Songez. De vous montrer dans YouTube ça ou dans la famille. Que bon Dieu fasse grâce et le continue à passer à vous. Dans la fin année 2021, jeudi 28 décembre 2021, et au nom de Jésus, nous déclarons, nous avons fini l'année et nous avons entré dans l'année 2022 au nom de Jésus. Restez à la paix de Dieu, bon Dieu bénisse nous tous. I love you all. Jesus love you more. Saint Jésus couvre-vous.